Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, j'espère que ça vous apprécie un peu la vidéo quand même. J'espère que ça vous a apprécié, ça a changé un peu de ce que je fais habituellement. Parler toujours de l'actualité en ce moment, ce qui se passe. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite ambiance un peu comme ça là pour le plaisir. Donc j'ai pas dit que c'était trop top hein, moi, mais il y en a qui aiment bien mettre le monde à l'envers, c'est pas son problème. Bref, on va aller sur le sujet le plus rapidement possible, sur les événements qu'on peut pas pour l'instant faire avec les mises en place du gouvernement. Donc tout ce qui est événements, bah, c'est une crise totale, hein, on peut dire c'est une énorme crise totale. Donc voilà, bref, on va parler des événements qu'on risque de préparer si tout se met convenablement. Comme je vous ai expliqué, nous on doit attaquer quelque chose, on doit attaquer la trésorerie pour qu'on puisse avoir la trésorerie dans notre côté, donc d'avoir une banque, etc. Bon bref, vous inquiétez pas. Ça va se faire, mais laissez-moi le temps d'examiner tout ça, parce que peut-être aller sur ordinateur et voir comment je pourrais faire. Bref, alors, je vous explique en gros, tout simplement, ce que je vais dire. Bon, voilà. Alors, on va aller tout de suite, et sur les sujets, les micros je ne veux pas dire dinerie, hein. Les 58, hein, les micros chers, les SM58, que des très très bons micros. Donc, comme je vous ai dit, je vous explique bien que ces micros-là vont se commander au courant de l'année prochaine. Tout bien. On commanderait que des packs. Donc, je veux dire, quand je parle de packs, c'est en pack, ça veut dire il y a le micro, il y a le cordon, donc jack ou XLR. Hein, ça dépend ce que c'est, et bien sûr un pied de micro, voilà, il y aura déjà ça. Seconde chose, je vais en prendre soit 3, soit 4, soit 5, ça dépend. Il y a des packs aussi qui a 5 micros tout seul, mais bon, voilà, c'est après 5 micros tout seul sans cordon, c'est un peu dangereux. Donc voilà, on verra comment ça se passe, on va se faire tout ça tranquillement. Il y a aussi quelque chose qui est un peu intéressant aussi, qui est très très important, c'est, comme je vous ai expliqué, j'achèterai aussi des instruments de musique. Alors les instruments de musique, on commence par les guitares. Les guitares, je vous ai expliqué à peu près plein mal de modèles, donc guitare cochère, droitière, des deux sens, hein, pour être tranquille comme ça, il n'y a pas de chipoté-chipota. Les guitares vont être électriques, acoustiques, hein, électrique, acoustique, et guitare folk, hein, d'accord, il y aura des guitares folk, des guitares sèches, hein, comme on dit, et surtout la guitare classique. Voilà, ces petites guitares là les guitares classiques en général, elles sont extrêmement chères, de très haute gamme, mais je veux pas prendre des hautes gammes, je veux prendre la gamme un peu correcte qu'on va rester tranquillement, parce que quand les gens vont apprendre la musique ou vont se mettre, au fur et à mesure, plus il y a des sous, plus on achètera plus important. Donc, moi, je vais pas acheter des guitares qui vaut 1000 et quelques. C'est un gros frein à main là-dessus, par contre. Hein, je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas, parce que je serai obligé d'en commander une. Je serai pas obligé d'en commander deux, ni trois, ni quatre, donc ça vaut pas le coup. Donc, vaut mieux prendre des guitares qu'elles sont convenables et qu'elles restent convenables. Et bien sûr, avec des marques assez respectif. Donc il y aura des Fender, il y aura des Libanaises, etc. Hein. Il y a des bonnes marques de guitare qui sont très connues, qui sont assez assez correctes. Question tarif, même du Yamaha, hein, voilà, des Yamaha guitares. Et bien sûr, voilà, il n'y a pas besoin de chercher midi 14h financièrement. Voilà. Et en restant, bien sûr, dans le correct. Fur et à mesure, tout ça, ça va s'arriver. Maintenant, dans les événements qu'on va faire,
les événements, ben c'est tout simple. On va commencer avec vraiment les événements les plus importants. Quand on parle des événements, c'est les spectacles. Vous savez très bien que les spectacles sont très importants. Hein, je vous ai parlé du matériel. Il y a pas mal de matos qui va se commander au fur et à mesure. Mais aussi les spectacles qu'on va faire. Peut-être, si tout va bien, on fera dans la rue. Les spectacles dans la rue. C'est pas pour mendier, vous allez comprendre, c'est qu'on va faire des spectacles dans la rue, on sera peut-être dans Mantes, on verra comment on va faire. Non, pas, je ne parle pas du reportage que je vais envisager de faire dans les jours qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. On attend déjà que le déconfinement se fait convenablement, parce que pour l'instant, le déconfinement, c'est 20 km, c'est tout, c'est le maximum. Donc 20 km, nous, on peut faire que des interviews dans Mantes. Dans Mantes et ses environs. Voilà. Donc 20 km, c'est déjà pas mal. Bon, on va voir comment on va faire ça. Donc il y aura, qui n'est plus rien à voir avec DigiTony78, mais qui aura à faire avec autre chose, avec ma propre chaîne et poser des questions aux gens sans obligation de filmer la personne. Donc juste poser des questions. Et en posant des questions, c'est beaucoup plus simple. Alors, bref, nous on posera les questions, vous verrez. Donc, comme je vous ai dit, en gros, on va essayer de faire le nécessaire, de faire des prestations sans trop faire la musique, parce que pour l'instant, la musique, c'est un peu gâché. Donc, comme vous savez que c'est bientôt Noël, tout ça, nous, on va pas parler de Noël. On fera des prestations... C'est pour 2021, donc on va faire pour 2021, on va faire le nécessaire de trouver comment faire, pour j'en discuterai avec Olivier, donc Nono, et faire des choses assez convenables pour qu'on puisse bien organiser ce système. Voilà. Donc bien sûr, les prestations, c'est quoi qu'on va faire? Les prestations, c'est tout simplement notre symbole de publicité. Donc on va bien expliquer que on est... prestataire, voilà, on est prestataire des animations, qu'on explique que ça va être beaucoup de personnes qui sont handicapées qui vont faire des prestations, on va être aussi dans le jeu parce qu'on va essayer de montrer qu'on est capable de montrer ce qu'on sait faire, voilà, comme par exemple soit animer une soirée, faire du spectacle, donc vous savez, c'est des choses intéressantes, donc bien sûr, on va contacter, je pense que contacter la mairie, on va essayer de demander à la mairie si on peut tourner, si on peut faire quelque chose pour qu'on puisse tourner. Seconde chose, vous savez très bien qu'il me faut vous savez très bien qu'il me manque un sirène. Donc pour l'instant, le sirène, elle est un gros trait dessus. Donc on verra comment on va faire pour le sirène. Donc ne vous inquiétez pas, on verra comment on va faire. On verra comment on va faire, mais je pense qu'en 2021, ça va aller pour avoir une banque. Hein. Ça va aller. J'espère que ça va aller. C'est tout. Bref, voilà. Donc, voilà, il y a quand même pas mal de choses qu'on va faire, des choses qu'on va se mettre tout doucement et sûrement. Donc, on va commencer par la première chose qui est tout simplement commencer à commander des micros. Commander des micros, hein, il n'y a pas de problème, hein, vous savez, même si j'ai la PlayStation, c'est pas ça qui va me déranger, parce que j'ai quand même une petite chose que le mois de juillet, je ne serai indisponible en France. Alors pourquoi? C'est que tout simplement on va ouvrir l'association DigiTony78 au Portugal, là je le confirme. J'en ai discuté beaucoup avec Olivier. Je connais quelqu'un qui est là-bas, qui va m'aider aussi. Il sera aussi, je vais voir comment je vais faire. Le problème, c'est que le siège social ne sera pas ici. Le siège social sera là-bas. Donc, au moins, on aurait un compte portugais. Donc, ça pourra nous aider fortement. Et en même temps, secondo, on va demander un sirène là-bas, qui sera très important. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc c'est une très bonne chose pour vous dire, parce qu'on a quand même des bonnes idées, et on a pensé aux handicapés qui sont là-bas, surtout les handicapés qui ne travaillent pas du tout. Alors ça, il y en a pas mal. C'est pas comme ici. Hein. Ici, les handicapés, une grosse majorité travaillent, et d'autres ne travaillent pas. Donc, là-bas,
C'était quasiment presque tout le monde ne travaille pas. Voilà le gros problème, qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas facile d'emmener un handicapé pour aller au boulot comme ça. Alors nous, on va essayer de trouver un établissement d'aider les autres handicapés, voyez ? Et nous, on veut aider d'autres handicapés pour essayer de travailler dans le domaine musical, conditionnement. Tout ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose qu'ici, sauf bien sûr, on va rajouter même les ateliers qu'on a parlé d'ici. Il y aura les ateliers de vente de matériel, IFI, sonorisation, instruments de musique. Et donc, bien sûr, nous, on ne sera pas souvent là-bas, mais on aura nos contacts, on aura ceci. Et bien sûr, ici, on va faire le nécessaire pour avoir un compte bancaire. Si on n'arrive pas, ben, on sera obligé de jouer avec le compte bancaire portugais, qui est un peu dangereux quand même. Donc, on verra. Il faut que ça marche là-bas. Il faut que ça marche ici, ça déjà. Donc, j'espère qu'ici, ça a marché. Et là-bas, ça a marché. Alors, il y aura des dons qui vont se réaliser. Beaucoup là-bas, on va faire beaucoup de dons. Ça là-bas, on va faire énormément. Je demanderai qu'on m'aide là-dessus. Moi, en portugais, je ne suis pas fortiche. Hein. Pour écrire, non, c'est pas ça du tout. Donc, on verra. Bon, bah écoutez, vous verrez, au fur et à mesure, j'en ferai des vidéos. On achètera un autre caméscope pour là-bas. Pour le Portugal, donc on verra, soit je l'achète ici, je pense que j'achèterai ici, caméscope, hein, avant de trouver une idée pour trouver un caméscope, vous savez, hein, caméscope ça s'achète, hein, ça vaut quoi, 600 balles le mien là, presque 700 euros, tu multiplies par 4 et c'est tout, tu te casses pas la tête, voilà, c'est tout. Allez, je vous fais des gros bisous, on en reparlera ça très bientôt, et vous verrez, bientôt il y aura un reportage qui va vraiment se faire au cours de cette année, d'accord, au cours de cette année pour le Covid-19, et qu'est-ce qu'ils en pensent les gens, etc. Voilà, tout simplement, on explique, on est un média, tout simplement, du web, voilà, et qu'on, s'ils veulent pas le visage, on ne remet pas le visage, on pourra même poser des questions aux policiers. Vous croyez quoi, vous ? Vous croyez qu'on aura peur, nous, j'ai du monde qu'on connaît ici, donc il n'y a pas de problème. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, je vous adore, bye bye.